Good morgen, allez, Iden, les sucres aujourd'hui, le Nishmat, Dov, Ben Yudit, et Viatar Amram, Ben Chedvar, et Esther, Bet Miriam, et Trek, Perez, Ben Fortuna, Chaim, Michel, Ben Sultana, ainsi que Lirfouat, Avraham, Eliezer, Ben Sira, Tirel, Betor, Char, Chole, Israël, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah. Contactez le Sacrement éternel. Nous étions à Sacrement Shabbat, Perikud, Gimel, Mishnah, Lef, Rabbi, Eliezer, Omer, Haoreg, Shlosha, Choutin, Batechila, Vachat, Ala, Harig, Chayav, Vachachamim, Omrim, Ben Batechila, Ben Basof, Shiuro, Shne, Choutin. On a fini avec la melacha de Kotev, d'écrire. On va à présent aborder la melacha de Oreg, de tisser un tissu. D'accord? Et on commence déjà, on traduit tout de suite, après on explique. On commence bien sûr, bien évidemment, comme dans toute melacha, à définir quelle quantité est requise. Il va y avoir le nombre de fils à tisser et la largeur à tisser. Pour le moment, dans notre mission, on va s'intéresser au nombre de fils à tisser. La Mishnah commence à me dire, Rabbi Eliezer, Omer Rabbi Eliezer enseigne. Haoreg shlosha chutin batechila, celui qui va tisser trois fils au début. Ve achat ala harig, et ajouter même ne serait-ce qu'un seul fil sur un tissu qui est déjà tissé. Chayav, il sera chayav. Tandis que vachachamim omrim, chachamim enseigne, disent ben batechila ben basof shiuro shne chutin. Qu'il s'agisse du début du tissage ou de la fin du tissage, dès que tu as fait deux fils, si tu as mis deux fils, tu as commencé à tisser deux fils, sur une largeur qu'on découvrira dans la prochaine ou dans deux Mishnayot, ouais, un peu plus tard, donc deux fils suffisent pour te rendre Hayav. Que ce soit au début comme à la fin, c'est-à-dire qu'au début, Chachamim sont plus Mahmirim, et Rabbi Eliezer, et à la fin, Chachamim sont plus Mekilim. On explique un petit peu de quoi on parle. Bien évidemment, et alors il y a quelque chose de spécial qu'il faut comprendre dans le Shabbat, c'était le même principe qu'on avait dans Kotev. Et d'ailleurs, il y a un parallèle dans la Gemara, enfin un parallèle entre Oreg et Kotev, entre tisser et écrire, on va expliquer. Mais tout d'abord, la Torah, elle a précisé, « Ve'asa me'achat me'ena », je déduis là que même si on fait partiellement une melacha, c'est-à-dire j'avais prévu de faire une très grande melacha, dès que j'ai fait un tronçon de melacha important, je suis déjà achayav. C'est le même principe qu'on avait vu en haut, par exemple, lorsque je voulais écrire tout un mot, que dès que j'écris deux lettres, qui ont en soi-même une signification, eh bien, je suis déjà chayav. Ah, je voulais écrire tout un mot, je voulais écrire Shabbat, et j'écris Shin Bet, Shev. Et j'ai pas fini mon terme, mon mot. Malgré tout, je suis déjà chayav. C'est le principe qu'on avait vu là-haut, il y avait écrit, dès qu'on a fait deux lettres, on est chayav. Eh bien, et ça, c'est dû du fait que la Torah m'a dit, qu'il a fait même Me'achat, même un peu d'une melacha, mais qu'il faut que ce soit quand même conséquent. D'accord? C'était le principe pour les lettres, et c'est le principe aussi pour coudre. Rami me dit, si tu as envie de coudre un très grand tissu, très bien, mais dès que tu vas commencer à coudre quelque chose de conséquent, quelque chose de visible, sur une largeur importante, qu'on découvrira quelques centimètres, mais sur donc deux fils, tu es déjà un Rabbi Eliezer, lui, il te dit, bah, tu sais quoi, non, non. Alors on va faire de l'ordre, au début du tissage, qui a rien du tout, deux fils, c'est pas encore assez conséquent. Donc il va falloir nécessairement trois fils pour que ça devienne conséquent. Mais dès qu'il y a déjà trois fils, alors même si tu rajoutes un seul fil, tu es chayav. Rami Meyen, ils disent non, 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 deux fils de partout. À une exception, ça c'est le Tosot qui le dit, c'est rapporté ici par Rabbi Veiger et dans le Tiferet Israël aussi, que si toutefois le tissu il est quasiment tout fini, il manque un seul fil, tu rajoutes ce fil-là, tu seras chayav. Le même principe de nouveau, c'est le même, c'est déduit tout ça de ce qui a été explicite dans Kotev. Il y a exactement la même marloquette et les mêmes principes avec Oreg. Si dans écrire, la Gemara disait que si toutefois tu as tout un livre, il manque juste une lettre, et tu écris la dernière lettre, que grâce à cette lettre, tout le livre va être achevé, maintenant ça va devenir un bon Sefer Torah, un bon Sefer Nevi'im, eh bien tu es chayav même avec une seule lettre, parce que cette fois-ci c'est la petite lettre qui va venir boucler un travail. On est chayav Mishum Kotev. Même principe aussi. Et si toutefois tu avais un tissu qui manquait juste de lui mettre le dernier petit fil, là d'après tous les avis, un seul fil en Echayaf, parce que c'est le fil qui va compléter le tissage. Et notre Mishnah nous parle donc du début ou bien de tous les fils du milieu sauf le dernier fil. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Batzlacha, Kol Tov, Salam.